qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins. À chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. OneXBet, vivez une fantastique Cannes. OneXBet, sponsor officiel de la Cannes. Vous regardez le JT Cannes avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Regardez le JT Cannes Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Seko Fofana, milieu de terrain de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, a inscrit le premier but de cette rencontre, ouvrant le compteur des éléphants pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À l'issue de la rencontre, il a été désigné homme du match par la Confédération africaine de football. L'Ivoirien s'est dit heureux de la victoire des éléphants. 2-0, malgré certaines fautes dues à leur technique de jeu. On gagne ce match, même si tout n'a pas été parfait, on est très heureux. On va continuer à travailler avec humilité et puis essayer de bien se préparer. Seko Fofana, âgé de 27 ans, évolue au sein du club Al Nasser Football en Arabie Saoudite. Il a été sélectionné pour la première fois en 2017. Il comptabilise 6 buts en sélection. Vraiment, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire en ce moment. C'est le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire pour moi. Parce qu'il a fait un match extraordinaire. Son jeu, c'est pas mal parce que pour un joueur qui vient de commencer, la CAN n'avait plus, ça a été organisé dans son pays. Je pense qu'il y a eu le stress, mais tel qu'il a vu sa manière de jouer, il a vu qu'il était un peu rassurant. Seko Fofana fait partie des joueurs ivoiriens dans le dispositif de Jean-Louis Gassé aux côtés de Franck Kessier et Ibrahim Sangaré pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. La première journée de la poule C était placée sous le signe de la détermination et de l'audace. Les quatre équipes se sont affrontées à Yamoussoukro ce lundi 15 janvier. Le Sénégal, actuel champion en titre, a battu la Gambie 3-0. Quant au Cameroun, cette rude rencontre avec la Guinée s'est soldée par un score de 1-1.
aujourd'hui, les joueurs d'Alossissé ont montré avec, effectivement qu'ils sont là, qu'on peut compter sur eux. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont champions d'Afrique. Et maintenant, tout le monde parlait de cette malédiction qui accompagne souvent les champions. Mais ils ont prouvé qu'on pouvait compter sur eux. On s'attendait beaucoup plus. Aïna a beaucoup plus un niveau de jeu élevé. Mais malheureusement, ce que nous sommes en train de vivre côté guinéen, pour le moment, ce n'est pas du tout appréciable. Après son sacre au Cameroun, le Sénégal n'entend pas baisser les bras. Avec 66% de possession de balles contre 34%, les poulains d'Aliou Cissé se sont imposés face à la Gambie. Le jeune Lamine Camara a retenu l'attention. Son deuxième but de la rencontre est déjà l'un des plus beaux de cette compétition. Désigné homme du match avec un doublé, il place son équipe à la tête de cette poule. Son heure est arrivée, tout simplement. Nous savons qu'avec toutes ces absences qu'on avait, il pouvait jouer. Et il a été là, le féliciter parce qu'il marque deux buts. Mais au-delà du but, je crois que c'est surtout le contenu de son match. Au niveau de l'agressivité, au niveau des courses, au niveau de son volume de jeu, on a l'impression déjà qu'il est aguerri. Les Lions indomptables du Cameroun entament quasiment la compétition par un échec. Malgré leur domination du match avec 70% de possession de balle, le score nul sera arraché juste après l'expulsion du capitaine du Sili. Ce score est obtenu grâce à Magré à la deuxième période du match. On a mal commencé, pas comme on souhaitait. Et tout de suite, on a vu qu'on prend un but qui vient de nous. Et ça nous met en difficulté. Et après, on se remet. Et c'est dommage parce que la façon dont on a pu jouer, on aurait dû faire la différence. Le Sénégal affrontera le Cameroun vendredi. Un duel qui s'annonce haut en couleur. Le Cameroun ne devra pas se rater lors de cette rencontre en vue de la qualification pour les huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire égorgeant de plus de 60 ethnies. Alliant modernité et tradition, c'est plus d'une dizaine de représentations culturelles ivoiriennes tant au niveau de la danse que des masques qui ont été exposés lors de la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En présentant ces deux ou trois masques, que, comme Georges l'a fait, c'est une façon de dire au monde entier que les Côtes d'Ivoire présentent un patrimoine assez important en ce qui concerne les masques. Des masques les plus significatifs ont attiré l'attention de tous. Le Wambélé, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, est considéré comme un masque protecteur. Le Goli, réservé à des cérémonies spéciales, est aujourd'hui une attraction touristique dans la région des lacs. Caractérisé par sa particularité venant du nord du pays, le Boloi est une danse sacrée en pays Sénoufo. Le Zaouli, désignant une danse et une musique populaire, est pratiqué par les communautés Gouro. Dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il y a des masques. Et ces masques-là sont des entités réelles qui existent et qui font partie intégrante avec le développement socio-culturel de nos sociétés en Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, la Côte d'Ivoire a une multitude de masques et de danses en fonction des ethnies et des cultures. Plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette compétition, chaque nouvelle journée apporte son lot de surprises. Le Burkina Faso finit premier du classement après sa victoire contre la Mauritanie à la fin du temps additionnel. Autrefois désigné comme la terreur absolue du football africain, le résultat de l'Algérie pour cette première journée contre l'Angola est loin de satisfaire ses supporters. Bien lancé dans ce jeu avec le but de Bagdad Bounedja, l'Algérie se fait rattraper par l'Angola sur un pénalty de Mabouloulou. C'est maintenant la compétition vient à peine de commencer. Donc il faut dire que l'Algérie a un très bon aussi pour aller vraiment très loin de la compétition. Et cette année, ce que je constate, ceux qui mènent au score, ils ont obligation de tuer le match. C'est-à-dire quoi? Mettre un deuxième but. Parce qu'après, à la mi-temps, les équipes se rebellent. Voilà, donc on a eu une première mi-temps de l'Algérie qui a été ponctuée par un but, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis en deuxième mi-temps, je ne sais pas pourquoi, mais l'Angola s'est rebellée, elle a joué crânement sa chance. Et puis elle a obtenu un pénalty. Ouais, un pénalty et puis elle a égalisé le but. Donc je lui ai dit qu'il n'y a pas de petite équipe. Les équipes que je vois, c'est vrai qu'il y a des grandes nations, mais il n'y a plus de petites équipes.
le Burkina ouvre l'unique score du match par un pénalty de Bertrand Traoré. Cette victoire leur donne l'avantage dans le classement du groupe B. Pour sa troisième participation à la CAN, la Mauritanie qui vise le titre de champion d'Afrique de football se sera battue jusqu'à la dernière minute. Toutes les équipes qui arrivent à ce stade sont des grandes équipes, donc il ne fallait pas sous-estimer une équipe. Il y a des nations de football, mais il y a des équipes qui jouent au football. Et la Mauritanie nous l'a démontré aujourd'hui. Je savais, ils ont la qualité et l'intelligence des joueurs avec beaucoup de techniques. Ils ont mis cette équipe du Burkina en difficulté. Mais il faut savoir que le Burkina n'a pas lâché, a poussé pour qu'à la dernière minute, puisse avoir un pénalty qui leur donne la victoire. Mais mérite et félicitations à cette équipe mauritanienne. Le gros boom est à venir. Le stade de la paix de Bouaké accueillera ce samedi les étalons du Burkina Faso et les Fenech d'Algérie. Les deux équipes chercheront les tickets qualificatifs pour les huitièmes de finale. C'était le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. AGL, partenaire logistique du football africain.